ce pacte dit de responsabilité est tout d'abord fait, encore une fois, pour sabrer dans les dépenses publiques, ce qui impacte sur, bien sûr, nos services publics, et aussi pour faire encore de nouveaux cadeaux au patronat, aujourd'hui, qui sont en hauteur entre le CICE, l'assurance chômage et les dispositifs compris dans le pacte de responsabilité, de 280 milliards d'euros au bénéfice donc des entreprises. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que pour favoriser l'emploi, c'est bien sûr la consommation par le pouvoir d'achat des ménages qui fera que la machine se relancera et que nous pourrons sortir de la crise, et non pas en faisant encore de nouveaux cadeaux fiscaux au patronat et surtout au grand patronat, celui qui fait hélas pas l'emploi aujourd'hui en France.